tout le long de sa vie, John Dowland a affiché une image publique plutôt mélancolique et dépressive, ce qui était normal à son époque, même à la mode. Mais si on regarde son répertoire, on peut trouver pas mal de pièces qui sont dotées d'un caractère vif et gai. Il a composé près de 90 œuvres pour le luth, dont la plupart sont composées dans des formes de danse. Et il y a certains titres qui portent des noms de gens dans les titres. C'est-à-dire, on peut trouver la pavane de Monsieur Tell, la gaillarde de Madame Tell, ou tout simplement la jeune fille ou la femme du cordonnier. Lady Hanson lui a inspiré une Allemande. Cette Allemande présente des particularités dans la forme qu'on va examiner tout de suite. La pièce démarre avec une phrase parfaitement équilibrée de 4 mesures. Suivi de sa reprise ornée avec diminution. On appelle les ornements diminution car on diminue les valeurs longues en valeurs brèves. La phrase d'après est transposée un ton plus bas. Do majeur donc, mi bémol ici, avec le capotastre. Et là, la symétrie casse. On a 3 mesures au lieu de 4. Et il faut se souvenir que ça, c'est une danse. Ça veut dire qu'elle est dansée. Et pour le danseur, ça, c'est horrible. Et cette phrase, la deuxième phrase de 3 mesures, c'est la seule phrase qui n'est pas reprise. Mais les diminutions se trouvent dans la phrase elle-même. La deuxième mesure de la phrase est la reprise de la première. Je vous montre. Première mesure. La reprise ornée. Encore une cadence toujours à la tonalité principale. Paf. En anglais, ça signifie le souffle. Donc, on peut supposer que Dowland a mis ses accords ici pour imiter le son du souffle. Encore. Cette phrase, elle fait 2 mesures seulement. Arrive vers la fin. Là, Dowland utilise les matériaux du début organisés autrement, c'est-à-dire il inverse l'intervalle principal. Il le fait. Et aussi, il utilise le rythme de la phrase précédente. Après, un ton plus bas, donc le matériau de la deuxième phrase. Coda. Et on arrive à la fin. Merci beaucoup.